Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez vu en titre, contrairement à ce que j'ai dit il y a quelques jours, on vient de passer dans ce que je vais appeler la V4, parce qu'il y a eu un gros changement, qui est quand même assez majeur, dont je suis quand même assez content, et qui mérite que finalement cette table de jeu virtuelle passe en 4.0, mais où s'arrêtera-t-il? Bah, peut-être à la 4.0, parce que là, honnêtement, je vois pas ce qui manque. J'ai beau réfléchir, là, on est quand même un petit peu au bout. Hein. On va se rendre sur la version maître de jeu, et on ira voir après un petit coup sur la version joueur. Alors nous voilà sur la version maître de jeu, vous vous doutez bien évidemment que je vais garder le meilleur pour la fin. Donc je vais commencer avec les petits changements décoratifs, on va appeler ça comme ça. Premier changement décoratif, sur le champ de bataille, si je prends cet archer bandit par exemple, vous pouvez voir déjà que visuellement, je suis revenu à des tokens ronds et pas carrés en dessous de la figurine. Je les trouve plus discrets finalement. Alors c'est un changement très mineur. Hein. C'est pas ça qui fait qu'on est en V4. Hein. J'ai modifié l'endroit où apparaissait le côté enflammé et le côté maudit. Donc enflammé maintenant apparaît sur le cœur alors qu'avant il apparaissait à droite. Je trouve ça plus logique de mettre le token enflammé sur les points de vie et le token maudit sur le mana. Ou en l'occurrence pour les PNJ, sur leur numéro de PNJ. Et j'ai changé, plutôt que de mettre une flamme pour le côté maudit, voilà, j'ai trouvé autre chose. Et c'est une espèce d'animation qui est un petit peu rotative, un petit peu comme s'il y avait un nuage. Vous voyez, même en la voyant là, je me dis que j'ai peut-être dû mettre un petit peu d'opacité parce qu'elle se découpe un peu trop nettement à mon goût, mais bon, voilà. C'était pour pas que ça soit une flamme et qu'on puisse éventuellement être... Alors, pas trompé, parce que vu la couleur, on sait bien que c'est pas enflammé, mais voilà, je préférais que visuellement, ça soit carrément et complètement différent. Donc ça, c'est un petit changement ultra giga mineur, hein. Par contre, changement qui n'est pas mineur, c'est que si vous regardez sur la droite, le petit menu pour activer les états sur les tokens, il y en a un nouveau qui est ici. Qui me laisse d'ailleurs la place pour un qui serait en bas si j'avais une idée d'état qui me manque. Mais il y a ce petit dessin là, qui est deux flèches qui se tournent autour. Et en fait, c'est pour permettre aux tokens de changer de sens. Changer de sens, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si j'appuie dessus, mon token, il flippe horizontalement. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est super, ça sert pas à grand chose le truc. Ben, en fait, ça sert quand je fais apparaître plusieurs tokens qui utilisent la même image. Je vais pouvoir en inverser certains, juste pour créer visuellement une différence. Que ça soit pas la même figurine déclinée en 5 ou 6 fois. Je vais pouvoir en mettre certains tournés à droite, certains tournés à gauche. Ça m'apporte de la diversité dans les figurines, bah à très peu de frais finalement, hein, puisqu'il suffit que je fasse des rotations d'une seule et même image. C'était une idée toute couillonne, mais ma foi, je suis content de l'avoir eu un petit peu au dernier moment. Voilà, c'est un petit truc en plus pour pas très cher. Mis à part ça, dans les changements majeurs, sur la gauche, vous voyez que ici maintenant, il y a une catégorie qui s'appelle gabarit. J'ai un dessin de gabarit et en dessous, j'ai trois icônes pour activer des choses sur ce dessin de gabarit. Gabarit, c'est quoi? C'est les zones d'effet. Alors principalement des sorts, il ne faut pas se le cacher. Hein, mais ça peut être d'une explosion qui est tout à fait naturelle, une chute de rocher, etc. Pour me simplifier la vie, j'ai fait globalement des grandes familles de zones. Et je vais essayer de faire en sorte que tous les effets dans mon jeu passent forcément dans un de ces gabarits-là. En gros, il y a petit, moyen et grand. Et il y a des formes de gabarits différents. Vous voyez qu'actuellement, le dessin est très rond. Et il y a une espèce de petit picot jaune qui est en bas.
Le petit picot, en fait, il me sert à évaluer, à marquer la direction qu'a le gabarit, parce que je peux les faire tourner, les gabarits. Si là, je clique, je vais faire apparaître le gabarit rond. Donc la direction d'un gabarit rond, vous comprenez bien qu'on s'en fout. Si je clique, vous voyez ici que j'ai un gabarit qui m'indique des zones qui sont chaudes et des zones qui sont froides. Voilà comment ça fonctionne. Quand j'utilise ce gabarit-là, c'est que toutes les personnes dans le gabarit vont être touchées. Celles qui sont dans les zones chaudes, elles sont forcément touchées. Et celles qui sont dans les zones froides, elles ont un moyen, en réussissant un jet sous leur agilité, d'éviter ce qui va leur arriver. En gros, de bondir sur le côté, d'esquiver en quelque sorte. Elles ne sont pas complètement sur la trajectoire. Comment je définis si la zone est chaude ou froide? Imaginez que tout ça est un cercle. Vous avez des cases qui sont entièrement prises dans le cercle, et vous avez des cases qui sont à moitié, ou très peu, prises dans le cercle. Je pars du principe que si vous êtes dans une case qui est à moitié prise dans le cercle, c'est que quelque part, vous avez un moyen de vous retirer de la zone d'effet. Et ça, ça va dépendre de votre agilité. Donc voilà un gabarit, c'est un petit gabarit, hein, il ne comprend que 9 cases. Ce gabarit-là, je peux agir dessus en utilisant les 3 boutons en dessous. Le premier bouton, ça me permet de le faire tourner, mais vu que le gabarit il est carré, si je le fais tourner, honnêtement, on ne verra pas que je l'ai fait tourner. Le deuxième, c'est pour monter en gamme. Monter en gamme, ça veut dire que je veux la zone d'effet au-dessus. Si je clique dessus, ça va me sortir le gabarit moyen. Voilà. Voilà le gabarit moyen. J'ai qu'à le placer au milieu de la figurine. Et on voit que le gabarit moyen, il est composé exclusivement de zones chaudes. Ça veut dire que toutes les figurines qui sont dans les cases sont touchées automatiquement et n'ont pas de jet d'esquive pour arriver à se barrer. Et vous remarquez aussi que les 4 cases des 4 coins, elles, par contre, elles ne sont pas touchées parce que si je traçais un cercle, le cercle passerait à peine dans ces cases-là. C'est des décisions super arbitraires que je prends tout. Et enfin, si je vais encore un coup dessus, il y a le gabarit grand. Voilà. Gabarit grand, si je positionne, voilà les cases, voilà les zones chaudes, et les zones froides. Vous voyez qu'il y a beaucoup de zones froides sur le pourtour, et que globalement tout le centre est en zone chaude. Ça veut dire que tous mes sorts, toutes mes zones d'effet seront simplement indiqué en gabarit petit, moyen, grand. Ça, c'est le gabarit rond. Si je veux changer de gabarit, j'ai qu'à cliquer sur le troisième petit dessin et je passe au style de gabarit suivant. Si je clique dessus, je vais obtenir le gabarit de souffle. Voilà, je le mets en position. Voilà un gabarit de souffle qui fait à peu près du 40 degrés, 40-45 degrés devant un personnage. Là, actuellement, le gabarit il est dirigé vers le sud. Et c'est là que le petit dessin prend tout son sens. Vous voyez qu'une fois que j'ai eu cliqué sur la petite icône de forme, le dessin qui représente le gabarit a changé et est devenu représentatif d'un cône, en fait, qui est actuellement dirigé vers le sud, comme mon gabarit. Et là, si jamais je le fais tourner, mon gabarit va commencer à faire du 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, ce qui est tout à fait logique, et va s'orienter dans la bonne direction. Voilà. J'ai cliqué une fois, donc mon souffle est maintenant orienté vers la gauche, et le petit dessin du gabarit me rappelle qu'actuellement, je suis en souffle orienté vers la gauche. Là, nous sommes, sauf erreur, dans le moyen, il me semble. Il n'y a que 2 gabarits de souffle, il y a moyen et grand. Et voilà le gabarit de grand souffle. Et si je le fais encore tourner, le gabarit s'oriente vers le nord, etc., etc., etc. Vous avez bien compris. Il me manque actuellement une seule sorte de gabarit, au final. C'est le souffle, mais quand j'essaye de lancer mon souffle en diagonale. Et je ne peux pas obliger mes joueurs à ne jeter leur souffle que à gauche, à droite, en haut ou en bas. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Moralité, j'ai dessiné
des gabarits de souffle d'angle. Voilà, si je le place par exemple, si mon personnage a une attaque de souffle qui prend la direction sud-est, voilà toutes les zones qui seront touchées automatiquement, toutes les zones froides où la personne pourra faire un jet en esquive pour ne pas être atteint par les dégâts, et vous voyez que le petit dessin de gabarit m'indique bien que c'est un angle, c'est un gabarit de souffle et qu'il est dirigé vers le sud-est. Et comme ça, je n'ai qu'à cliquer sur le premier bouton pour le faire tourner, voilà, le replacer et avoir immédiatement un aperçu de qui est touché, qui n'est pas touché. Il y a actuellement que trois familles de gabarits, hein, donc le rond, le souffle point cardinaux et le souffle diagonal. J'ai pas encore vu quel autre type de gabarit pourrait être intéressant. Et je clique dessus, je le fais disparaître. Voilà, comme ça on va gagner du temps. Comme beaucoup de combats se passent ici, je trouve ça plus intéressant de mettre des informations de sortilège en gabarit que des informations de sortilège en mètres, et après que ce soit le joueur qui doit faire la conversion de une case faisant tant de mètres, voilà jusqu'où va mon sort. Comme ça on va gagner clairement un petit peu de temps. C'est un des changements assez cool. Sinon, globalement, il n'y en a pas d'autres, à ce niveau-là, du moins. Dans les changements cosmétiques, il y en a un assez rigolo, qui est juste là pour l'immersion. Mais voilà, moi je trouve que l'immersion, c'est important. Le fait que des petits détails qui ne sont pas compliqués à mettre en place mettent encore plus le joueur dans l'idée qu'il est autour d'une table avec nous et qu'on joue tous ensemble, je suis preneur. Je vais déplacer l'archer et vous allez tendre l'oreille. Il y a un petit bruit comme si on reposait la figurine. C'est un bruit de pièces d'échecs qui se déplacent. Mais voilà, c'est tout con, mais ça renforce encore plus l'idée qu'on est vraiment en train de bouger des figurines. J'avais une première idée, mais qui était complexe à mettre en place. C'était qu'à chaque fois qu'on déplace une figurine, elle fasse un bruit lié à ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'un ours ferait un grognement, un humain ferait un bruit d'être humain, un peu random. Ouais, mais voilà. Finalement, c'est plus simple de mettre juste ce déplacement-là, et ça fait l'effet immersif que je voulais. Petit bonus, gratuit, pas cher à mettre en place. Et maintenant, c'est l'heure de la révélation. Voilà pourquoi V4. Les dés qui sont en bas à gauche, ont beaucoup changé, énormément changé. J'ai eu une opportunité. J'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis longtemps et j'ai passé à peu près 48 heures à le détricoter, à faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, donc comprendre comment le gars a fait pour pouvoir retricoter le truc à ma sauce, enlever ce qui m'intéresse pas et reparamétrer ce qui m'intéresse vraiment, voire rajouter ce qui manquait. Les dés comme ils sont faits en bas, donc je clique sur le dessin du dé, ça affiche le résultat. Ça faisait le café, hein, ça faisait le taf. Mais lancer des dés, c'est un kiff. C'est un vrai kiff. Et comme je sais qu'il existe des boîtes de dés virtuelles, ça me faisait chier de ne pas en avoir une. Mais voilà, c'est pas simple d'en trouver une. Et c'est encore moins simple d'arriver à la bidouiller pour en faire ce qu'on veut. Je suis tombé sur une boîte de dés virtuelle. Complètement... gratuite dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que le mec s'est emmerdé à l'affaire et il l'a mis à disposition du grand public avec tous les droits, si on veut la modifier, si on veut l'intégrer à un projet, on faisait ce qu'on veut, le genre de mec que j'aime bien. Donc je l'ai récupéré et pendant 48 heures je l'ai examiné, je l'ai testé, je l'ai détricoté, je l'ai changé, je l'ai intégré. Et maintenant, je vous présente un nouvel icône qui a peut-être pas échappé à votre regard, qui se trouve à droite. Il y en a un nouveau qui est apparu en bas là. Et quand on clique, ça nous propose de démarrer une session. Alors bien évidemment, on démarre une session. Et voilà ce qui arrive. Voilà ce qui nous arrive. Vous avez devant vous 6 dés qui sont en train de faire leur petite vie de dés. Qui sont ceux qu'on utilise. Vous avez au-dessus
trois zones de contrôle, une pour reset, une qui vous affiche quel dé vous allez lancer, et une pour lancer. Admettons que je veuille lancer un dé 20, je le choisis, donc ça m'indique là-haut que je veux bien lancer un dé 20, et je clique sur le bouton. Et merde, ça fait 20. Ça fait 20, il y a marqué 10. Ça, c'est relou. On fait du debugging. Je vous explique pourquoi c'est relou. À la base, le système qu'a conçu le gars, il a une faiblesse. Il a une espèce de bug. C'est-à-dire que il interprète mal ce que lui sort le D100. Quand on lance le D100 et le D10, pour avoir les dizaines et les unités, et qu'on fait 0-0 sur le D100, il va nous compter que le D100, il a fait 100. Et comme le D10, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il va nous offrir un résultat qui va de 101 à 110, au lieu de nous faire 0-1, 0-10. Donc j'ai dû modifier tout ça, mais dans mon petit calcul, j'ai pas calculé qu'il fallait préserver le 20 du D20, et du coup, je suppose le 10 du D10. Tiens, on va tester. On va voir. Si je lance un D10... Alors, malheureusement, vous l'avez bien compris. Voilà. Non, le D10, c'est bon. Le D10, il a capté que 0 égale 10, il me marque 10. Oui, vous avez en bas le résultat qui s'affiche comme ça sur une petite carte. Parce que parfois, c'est plus facile d'avoir le résultat comme ça. Et admettons, je demande à un moment à un joueur de me lancer 3D6. J'ai pas envie qu'il ait besoin mentalement de faire le calcul de l'addition des 3D6. Voilà, il aura le résultat juste en bas. Donc le souci est juste avec le D20. C'est avec le D20 quand il fait 20. Remercions parce que le hasard me permet de refaire 20. Il affiche que 10. Parce que je lui ai dit dans sa façon d'afficher les résultats. Que si le résultat était 20. C'était sûrement un des 10 plus un des 100. Et qu'il fallait descendre de 10 points. En fait, il fallait enlever le 10 du D10 pour avoir le vrai résultat. Le souci, c'est que ça chope le D20. C'est pas inintéressant. On va aller voir les formules de calcul. Nous voilà dans les formules de calcul. C'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se passe. Voilà. C'est ici que j'ai dû intégrer la reconversion des résultats excessifs en résultats normaux. Et le fait est que voilà la ligne qui rentre en ligne de compte. Je n'avais pensé qu'au D100 et j'avais oublié le fait que le D20 pouvait faire 20. Et que là, quand il fait 20, je reconvertis le résultat en 10. Donc, ça va pas être méga compliqué, hein, ça va pas prendre très longtemps. Result.values, c'est ça qui me donne le résultat. Donc, je le mets dans une variable. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais créer une seconde variable qui s'appelle gender, qui va me donner le type de dé qui a été utilisé. C'est results. Non, c'est resNotation. Alors, vous allez me dire comment je le sais. Eh ben, c'est quand je vous dis que j'ai passé 48 heures à comprendre comment le mec avait fait fonctionner son truc. C'est que au milieu de mon travail, il a fallu que j'identifie où se cachaient les variables et qu'est-ce qu'il y avait inclus dedans et comment je pouvais les utiliser. Donc, je mets dans la variable gender le résultat. Enfin, pas le résultat, pardon, le type de dé qui a été lancé. Ça veut dire que c'est là qu'il va y avoir marqué 1D10, 2D6, 3D6, tout ça. Et je lui dis ici que si le résultat est égal à 20 et que le gender
est égal à 1 des 20. Pas égal d'ailleurs. Voilà, est différent de 1 des 20. Le résultat est 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon résultat c'est 20 et que c'est tout sauf un des 20 qui a été lancé, autant dire que c'est indécent, parce que c'est le seul qui peut faire 20, eh bien, il marque 10. Ça veut dire que donc, a contrario, si le résultat est 20 mais que le type de dé lancé est un des 20, eh bien, il touche à rien. Et donc ça va rester 20 puisque je lui ai pas dit de le changer. Ça devrait être aussi con que ça. Ça devrait être aussi con que ça. Et voilà. J'ai fait 20, il m'affiche 20, il pète pas un câble. Debugging réussi. Alors comment se termine un debugging réussi? Eh ben c'est pas bien compliqué, hein. Cette charmante petite ligne, ok, elle est valable pour moi. Mais il faut que j'aille la dupliquer dans toutes les fiches de mes joueurs. Car nous n'utilisons pas tous le même fichier en fait. Chacun utilise le sien dans son propre petit délire. Ce qui me permet éventuellement de faire des spécificités pour chaque joueur si jamais un jour j'en ai besoin. Et voilà, un petit cas de figure particulier auquel je n'avais pas pensé. On n'oublie pas de dupliquer la variable, sinon ça marchera pas. Voilà. Et ça, je suis content de le voir maintenant et pas de le voir en jeu. Tout simplement. Voilà, donc pour reprendre notre petit délire, donc voilà, je lance des dés, il y a un petit résultat en bas sur une petite carte pour un calcul plus rapide. Vous remarquerez que petite fantaisie, la petite carte elle apparaît sur des angles qui varient. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on a acheté une carte à jouer qui un coup est dans un sens, un coup dans l'autre. Là on est sur l'interface maître de jeu. L'interface maître de jeu, on va dire que le système s'arrête là. Dans l'interface joueur qui... sur la partie qui est à droite est rigoureusement identique, le résultat du dé lancé apparaît dans la petite case flottante ici. Chaque joueur voit ses résultats apparaître devant le bon dé en fait. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas une vision de leur lancé de dé, par contre on a une vision du résultat qui s'affiche là. Ça me remet à zéro. Si je clique 3 fois sur le D6... bah ça me lance 3d6 hein, tout simplement, et puis ça me fait le résultat. Petite fantaisie, si je fais un drag and drop, c'est-à-dire que si je laisse mon bouton de souris appuyé et que je bouge ma souris, ça va faire un lancer de dés en partant de la direction où j'ai fait mon drag and drop. Voilà. Je trouve ça très rigolo, je ne l'ai pas enlevé parce que je trouve ça très marrant. Ça nous permet vraiment de relancer les dés comme on veut. On peut faire les mélanges qu'on veut, hein. Je peux lancer un d4, un d6 et un d8. Voilà. Le seul truc, c'est que lui, en bas, il va me faire le total de tout. Hein. Et je vous avoue que dans le système qu'on a mis en place, nous, concrètement, il n'y a pas ce genre de mélange à faire. J'ai évité consciencieusement, même 2d6, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui fait 2d6. Si vous avez un sortilège qui fait des dégâts à base de d6, il va faire 1d6 avec un multiplicateur derrière. Justement pour limiter le nombre de sauts de dés à balancer. Et quand je veux faire un descend, eh bien il faut que je prenne le dé des dizaines, le dé des unités. Et voilà, il va m'afficher 1,98, 1,95. Et ce qu'il a fallu que je modifie à la main, et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces lignes de code rajoutées que vous avez vues, c'est que, vous allez voir, je vais essayer de tomber sur un cas de figure qui concerne ma modification. Voilà, par exemple, je viens de faire 0,7, donc techniquement 7. Ah ben, si j'avais pas fait les modifs, en bas sur la petite carte, là, il y aurait marqué 107. Parce que pour lui, j'avais fait 100 et 7. 107. Et le souci, c'est que si là en haut, je fais 100
et que là en bas, je fais 0, là par contre, il captait que c'était 100. Et pas 110. Donc il fallait faire un code où on élimine certains chiffres et pas d'autres. Enfin, on modifie certains chiffres et pas d'autres. Plutôt sympa comme, comme truc. Hein. Et si on a besoin de place et si on n'a plus besoin des dés, ben simplement, on recache les dés, on joue, on continue, on fait ce qu'on veut, et quand on reclique, ça revient dans l'endroit, dans la position exacte où on l'a laissé. Ça n'est pas une case qui se déplace. Voilà, je peux pas la faire bouger en fait. J'ai essayé, j'aurais bien voulu, ça m'aurait pas dérangé. Le souci, c'est que pour arriver à lancer les dés, je prends en considération tout un tas de mouvements à la souris. Voilà, il y a plein d'événements qui sont déclenchés par la souris que j'utilise. Or, ce sont les mêmes événements que j'utilise pour déplacer les fenêtres. Et du coup, les deux arrivaient en conflit. Et honnêtement, je venais de passer 48 heures à tout régler et essayer de regérer des conflits pour pouvoir faire un déplacement, j'avais juste pas envie. Donc c'est fixe, c'est ici, on voit au travers, ce qui est d'ailleurs très rigolo parce que ça donne vraiment l'impression qu'on lance les dés sur la table, je trouve ça très marrant. Par contre, l'inconvénient, c'est que même si c'est transparent, on peut pas cliquer au travers. C'est-à-dire que si là, en dessous, sur la table de jeu, si par exemple je me mets comme ça, voilà, eh bien ça veut dire que là, je ne peux pas atteindre les tokens qui sont en dessous. Ça gêne. Voilà, ça fait obstacle. Il faut replier les dés quand on n'en a plus besoin. Réouvrir, replier. Mais franchement, c'est mon changement... J'en ai rêvé la nuit, quoi. Je suis trop content d'avoir tout ça. Cette boîte de dés, c'est juste l'immersion supplémentaire qui manquait beaucoup, terriblement trop. Je suis très content de l'avoir. Et du coup, bah, le fait de cliquer sur les dés en bas, alors pour l'instant, je l'ai gardé. Je me garde ça en filet de sécurité, des fois qu'un jour, on tombe sur un problème qu'on n'avait pas prévu. Mais je pense qu'à terme, quand on sera bien confortable avec ça, je virerai les faux lancers de dés qu'on avait en bas à gauche pour ne garder que ceci. Et pour l'instant, les dés de combat se passent toujours avec l'interface ici, mais parce que c'est pas simplement des lancers de dés. Hein. Vous savez que ici dans l'interface, quand on clique sur le dé, il y a tout un tas d'effets qui se créent et je préfère que ça soit en bas, accroché en bas dans un seul bloc, que ici mélangé avec les dés où il faudrait que je fasse un dé spécial qui est que pour les combats. Voilà, je trouve ça plus simple et bien plus efficace que de faire appel à la boîte de dés virtuelle. Dans les changements futurs qu'il va y avoir, j'ai pensé ce matin que ici, le tirage de l'initiative, voilà, qui tire l'initiative pour trois groupes de joueurs, en fait, il est... Alors, c'est pas qu'il est inutile, c'est qu'il n'a pas besoin d'être aussi finement géré, puisqu'au final, il y a un premier, un deuxième, un troisième. Donc, c'est inutile de lancer un des 12 pour avoir un chiffre entre 1 et 12, sachant que de toute façon, j'ai besoin d'un premier, d'un deuxième et d'un troisième. Donc techniquement, je peux lancer un des 3 et j'aurai un qui est 1, qui est 2 et qui est 3. En quelque sorte, quoi. Donc je pense que je vais refaire le système pour pas qu'il y ait des chiffres comme ça où on est obligé d'avoir même un très léger effort mental pour savoir qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Il va simplement y avoir le côté médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze qui va déterminer qui a joué en premier, qui a joué en dernier. Ça va encore plus simplifier le truc, je pense. Voilà pourquoi nous sommes en V4. Le reste n'a pas fondamentalement changé. C'est même pas fondamentalement, d'ailleurs, le reste n'a pas changé. C'est une belle putain de progression. Je suis quand même plutôt super content du truc. Voilà, nous sommes en V4. Allez, je vous prends pas plus de votre temps. Bonne journée, les cadavres. Bon jeu à vous, que vous jouiez. Ciao.